Eh bien, salut à tous, c'est KiGaming21. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur GTA 5 Online pour un tout nouveau glitch de duplication en solo sans Deluxo. Donc, pour ce glitch, il va vous falloir la boîte de nuit avec les garages. Donc, je vais vous montrer lesquels par la suite. Donc, n'importe quelle boîte de nuit avec au moins deux garages. Donc moi je les ai tous, mais normalement 2 et 3 ça suffit. Ensuite, donc dans vos garages, il va falloir qu'ils soient pleins. Donc dans le garage 3, les alligators. Excusez-moi, dans le garage 2, il vous faut au moins une alligator rétro. Enfin une alligator rétro. Et dans le garage 3, une alligator H8. Une fois que c'est fait, il vous faut le centre d'opération mobile avec le module 2, module vide, module 3, dépôt de véhicules perso. Et à l'intérieur, vous mettez une Elegy RH8 ou un Fadio. Donc, une fois que c'est fait, on va aller dans le garage numéro 2. On va tout simplement appeler Simeon et lui demander une activité. Donc là, jusqu'à là, facile. What's up with you, my friend? Demander activité. Of course. Hop là, et on va attendre qu'il nous l'envoie. Donc en fait, je vais vous expliquer. On va se mettre vers la porte. Donc, on va ouvrir. Donc voilà, on se met ici. Vous vous mettez à peu près ici. Et vous lancez l'activité. Voilà, nickel. Donc là, en quittant, vous allez faire Flash Duo A, Flash Duo A, Flash Duo A ou X sur PS4. C'est pareil. Donc vous le faites. Moi je fais Flash Duo A, Flash Duo A, Flash Duo A. Normalement, vous allez spawn dans votre garage. Il faut que vous ayez réussi à ouvrir le téléphone. Donc c'est parti. Moi je les spam. Hop là. Donc, vous voyez, j'ai spammé Flash Duo A, Flash Duo A. Et je respawn dans mon garage. J'ai eu un espèce d'écran noir, mais je suis toujours dans le garage et j'ai plus la minimap. Donc vous allez au rond bleu, vous allez sur une dégâts rétro, vous faites X, vous allez dans le garage numéro 2, vous switchez contre un Fadio. Là, vous voyez que ça n'a rien changé. Donc là, on va monter dans les dégâts rétro. Avec laquelle j'ai switch. Donc là en fait c'est le Fadio, mais sous l'apparence de la rétro. Donc regardez la plaque 782. On accélère. Et là, comme par magie, le 782 devient 135. Donc ça c'est la plaque du Fadio. Donc c'est une duplication plaque propre. Donc maintenant il faut qu'on la sauvegarde. Donc c'est là où les deux personnes deux manip, enfin on a deux manips différentes pour sauvegarder. Donc moi je vous montre avec le mug, mais vous pouvez très bien aller dans votre garage de PDG dans lequel vous avez une place de libre et vous avez l'atelier de custom. Donc vous rentrez dans votre garage où vous avez une place de libre. Il faut pas que vous acceptez garage plein, sinon vous allez rentrer le Fadio. Vous acceptez le garage. Et dès que vous êtes dedans, vous remontez de la voiture, flèche de droite, pour aller au custom et on change une plaque. Nous, avec le mug, on appelle le mug, on va derrière, flèche de droite, on accepte. Et on a une duplique. Donc, une duplique en 4 minutes, c'est vraiment super rapide. En solo en plus. Donc vous voyez, la plaque, elle a bien changé. Donc, je vais vous la ramener. Je vais la ramener tout simplement à la boîte de nuit et l'original va se retrouver dans le garage à l'emplacement du Fadio du coup. Et le Fadio est donc écrasé. Vous pouvez enchaîner si vous voulez. Moi je vais vous montrer que je vais enchaîner. Donc là, on retourne dans le garage 2. On tourne dans le garage 2. On écrase
Là, enfin, on switch parce que là on n'écrase pas. On switch contre la RH8. Et là, donc, j'ai bien toujours mes 4 alligues rétro. Et dans le garage 3, 4, pardon. Parce que c'est là que j'avais mon Faggio. J'ai plus de Faggio. Voilà les potos, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À rejoindre le groupe Facebook Glitch Entraide qui se trouvera en description. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!